Vous êtes sur RTL. Moi, c'est le mot meilleur qui me dérange. Voilà. Oui, oui. Comment vont faire Vincent Cassel et Reda Kateb, qui sont nominés tous les deux dans la même histoire, oui. Alors qu'ils ont le même rôle, enfin, à l'équivalent, hein, j'entends. Monsieur. Pourquoi Olivier Marchal aurait le meilleur alors que bah parce que je suis le meilleur. C'est impossible, hein, c'est de la fiction. Hein. Pas moi, voyez ce que je veux dire. Non, c'est vrai. Donc c'est compliqué, c'est les mots. Le jugement, c'est les mots, bien sûr. On fait un métier qui n'est pas un métier de compétition, c'est un métier de réunion, c'est un métier où on se sert du talent de l'autre pour exister et essayer d'en avoir aussi. C'est des mots qui ne me vont pas. Oui, voilà. Je comprends. Prix d'interprétation, je suis d'accord, il n'y a aucun problème. Oui. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus que ça dans mon interprétation de la chose. Donc, aller sur scène, recevoir le César du meilleur acteur, dire merci à son père, à sa mère et à la terre entière, et le lendemain, ne pas avoir de boulot, parce que c'est quand même ça. Hein. Moi, je n'ai pas bossé après mes Césars. C'est des années où je n'ai rien foutu derrière. Ah oui. Ah oui, oui. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, la plupart des acteurs, après, dédramatisent complètement cette soirée où ils se rongent les ongles et il faut faire attention. C'est ce que je dis un peu en ce moment. La Vénus de Milo a commencé comme ça. Oui, et puis, elle a tellement grignoté. Il faut faire gaffe. Il n'y a plus après, rien. Ils font, vous les avez mis où, vos Césars? Et avec humour, je les ai mis dans mes toilettes. Oui. Donc, personne ne prend ça au sérieux. Mais tout le monde va sérieusement au César, c'est ça le problème. Oui.